It has taken us decades. Randolph's grandfather wasn't the first to look into this ancient civilization. For centuries, humanity has delved into the past, following myths in the hopes of obtaining knowledge. Now, through your help, I have finally discovered the truth. It's still unclear how the ancients appeared. Maybe they evolved like us, or they arrived here from elsewhere in the galaxy. What I now know with absolute certainty is that, for millennia, Earth was theirs. They constructed large cities and massive factories, refineries, to provide them with advanced technology and endless energy. Things humanity has dreamed about, but even that didn't save them from invasion. It started like it did with us. A new virus that attacked the natural world, mutating everything it came in contact with. The mutated creatures methodically attacked every city, guided by the alien entity residing on Yugoth. By the time the ancients had made the connection, 9/10 of their world had fallen. That is when they devised the plan, a weapon of unimaginable proportions that would destroy the invader on a global scale in one blow, a bioengineered virophage missile system. The records I translated say the weapon was completed. I suspect it was launched, but in doing so, the ancients purged not only the Pandorans, but themselves as well. I estimate that over 90% of all organic life on Earth was destroyed as a result. Now it is time for the Phoenix Project to pick up the pieces and take the fight to the Pandorans. I've helped you unlock all the puzzles of the ancients. If we use the virophage again, it must be better targeted to avoid our own extinction, along with the Pandorans. It's a desperate solution, but a proven one. Good luck, Phoenix. See you on the other side. Research complete. On est de retour, un nouvel épisode, on commence avec ça, le réceptacle yugotien. A chaque fois dans ces cinématiques aussi, on voit les gens équipés de l'armure phénix. J'avoue que, au final, les armures dans le jeu, c'est pas extrêmement important. Chacun a sa spécialité et tout ça. Donc on pourrait vraiment juste garder des armures phénix pour, on est de phénix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme nous le craignons, les Pandoriens accumule de la biomasse et du matériel génétique afin de construire ce que nous avons intitulé réceptacle pandorien, un clone de l'entité yugotienne capable de télécharger l'esprit de cette dernière. La taille et la puissance de l'entité signifient que l'immense structure est nécessaire à la construction du réceptacle. Cette structure que nous appelons Palais Pandorien, est très probablement en cours de construction en ce moment même. La localiser fait partie de nos priorités absolues. Nos analyses suggèrent que si l'entité yugotienne parvenait à mener à bien son plan, les chances de survie de l'humanité seraient réduites à zéro. Alors, nous avons assemblé l'énigme de l'ancien conflit entre la proto-civilisation antédiluvienne et l'entité yugotienne. Ça marche. Injecter le virophage complété. Il y a aussi la nouvelle Jericho qui se fait attaquer, mais honnêtement, ça m'intéresse pas des masses. Injecteur virouf. Oh là là, il faut faire ça aussi. Si toutes les autres alternatives venaient à se solder par un échec, nous pourrions suivre les traces des antidiluviens et utiliser le virophage comme une arme de destruction massive. Bien que cette option nous mènerait à la victoire, elle causerait également la quasi-extinction de notre propre espèce. Oh, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien qui va se passer. Putain, je vais devoir faire la... Citadelle pandorienne a été découverte. C'est pas vraiment intéressant. Bon, du coup, moi, je vais aller aider les... Les Jericho. Aussi, j'en avais parlé. Alors, ces deux trucs. Je sais pas comment ils fonctionnent. Parce que des fois, ils avancent, des fois, ils arrêtent d'avancer. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que ça fait plusieurs jours, en fait, que ça devrait être fini. Et des fois, en fait, vous savez, je fais passer le temps pour détruire, genre, les structures pandoriennes. Ou alors aider. Là, je vais pas vous montrer ça, parce que ça sert un peu à rien. Et ce qui s'est passé, c'est que des fois, en fait, genre, la forteresse de West, elle s'est finie à un moment. Mais du coup, ça a joué une cinématique.
Et je me suis dit, bah tiens, on va recharger la partie. Et on va le refaire, comme ça je peux vous le montrer. Le problème, c'est que quand je rechargeais la partie, ça c'était pas du 100% en fait. Ça avance pas. genre ça fait des jours que c'est bloqué à 97%. Je sais pas pourquoi. Ça aussi, ça a avancé à un moment. Maintenant, c'est à 84%. Pendant je sais pas combien de temps, c'était à 30%. Donc je sais pas trop en fait ce qui trigger ces deux choses. Je sais pas à quoi elles sont liées. Parce que elles sont pas liées au temps en tout cas. Elles sont vraiment pas liées au temps. Je sais pas si elles sont pas liées à la diplomatie. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Par contre, on a plein de ressources aliens, c'est bien. Donc ouais, ça c'est un peu le problème que j'ai là avec ces deux trucs. Donc si jamais ça se déclenche pas avant le combat final, je pourrais pas vous le montrer. Après, je sais que... Parce que j'ai un peu regardé quand même. Je sais que là, en fait, c'est de la... Parce qu'ils vont lancer un missile et on doit défendre leur base. Et là, c'est un peu pareil. C'est une forteresse énorme, en fait, qui se fait attaquer par énormément de Pandoriens. Et on doit défendre la base aussi. Donc c'est juste de la défense de base, quoi, j'ai envie de dire. Bon, moi, je vais faire ça... J'ai changé Delta pour l'équipe d'avant parce que j'avais pas trop envie de m'embêter. Je vais faire ça de mon côté. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens, mais bon, ça fait des ressources. Et après, j'avancerai dans le temps jusqu'à la recherche et on verra ce qui se passe. À tout de suite. Et on a fini la recherche. Il s'est pas passé grand-chose depuis. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai défendu Jericho deux fois, je crois, c'est tout. Contre les Pandoriens et contre Anu. Alors, attention, cette option ne doit être envisagée qu'en dernier recours. Si nous injections une quantité suffisante de virophage antédiluvien dans le réceptacle, nous déclencherons une réaction en chaîne qui causera la destruction du palais, puis au bout d'un certain temps, la mort de tous les Pandoriens sur Terre. Les simulations montrent toutefois qu'une vaste proportion de la population humaine serait également affectée, poussant ainsi dangereusement notre espèce au bord de l'extinction. Sommes-nous prêts à prendre ce risque? Les factions se retourneront certainement contre nous si elles viennent à réaliser l'atrocité que nous nous préparons à commettre. Alors, la connaissance est synonyme de puissance. Il n'y a pas d'autre choix. Le seul moyen d'arrêter le Pandora est d'utiliser le virophage en antédiluvien. Même si les conséquences seront terribles pour l'humanité, il vaut mieux sacrifier des vies pour nous libérer de l'emprise de l'entité yougotienne plutôt que de la laisser nous transformer en esclaves. Nous devons finir une bonne fois pour toutes. Malgré nos protocoles de sécurité avancés, les informations concernant l'injecteur virophage ont fuité. Résultat, toutes les factions ont cessé d'entretenir des relations diplomatiques avec nous. À présent, la guerre est inévitable. Bien compris, il n'y a plus qu'une seule solution. Soit nous prenons le risque ultime, soit c'est la fin de l'humanité. Dernier recours, c'est là. C'est quoi? C'est un palais pandorien. Sympa. Sympa. Sympathique. On y va? Ouais, on a perdu 50%, c'est pas énorme en fait. Hein. On est toujours favori. Ils nous aiment toujours. Hein. Au final, c'est pas trop trop grave. Bon bah du coup, je suis désolé, mais à moins que pendant le voyage, ça se finit. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Zéro idée. On y va. Je suis sûr que ça va se finir avant que j'arrive. Et du coup, je vais devoir faire demi-tour. Attention, on va y arriver peut-être. On a eu ça. Ça, c'est quoi? C'est un canon caustique phénix. Ah, canon caustique. Suite à une avancée technologique en matière d'armes caustiques, nous avons programmé le développement a été initié pour apporter... On va relire ça parce que... Hein, suite à une avancée de la technologie en matière d'armes caustiques, un nouveau programme de développement a été initié pour apporter des innovations sur le champ de bataille. Une méthode consistant à placer des poches d'acide dans une enveloppe d'alliage métallique. Il se disperse à l'impact. A été raffinée et mise en production. Ce qui constitue la véritable percée, c'est la découverte d'un matériel non corrosif capable de stocker l'acide et de résister à un transfert à grande vitesse, mais qui éclate tout de même à l'impact pour délivrer la charge. Le prototype du canon... Jormungand, ah ça c'est le serpent, obtenu et ses munitions sont désormais disponibles dans la production. C'est pas mal ça. Ça m'intéresse, je veux bien le tester.
Ah, 3 heures. Ah, je veux bien le tester. On n'y arrive pas. Dernier recours. Pour réussir, nous devons injecter le virophage directement dans le cortex central du réceptacle Yugotia. On peut avoir 9 personnes, bien ce que je pensais. On peut avoir 9 personnes. Qui est-ce qui est proche? On a Bravo. Je vais être honnête, j'ai pas vraiment envie de prendre genre un technicien ou un assaut en plus et tout ça, machin. Je dirais pas non, un Terminator avec nous. Est-ce que Jamal il peut être intéressant? Ou alors un autre sniper? Pas vraiment intéressant. Jamal, Mohamed, il est pas vraiment intéressant. Jamal, je sais pas. Enfin, ça peut aider. Violetta. Violetta, qu'est-ce qu'elle apporterait? Pas des masses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Charlie qui est super loin, donc non. On a Delta qui est pas très loin. Je sais pas. Ouais, quelqu'un de Bravo. Hein. Quelqu'un de Bravo. On peut prendre. Parce que ça, c'est pas mal, mais c'est plutôt pour le fun, honnêtement. Ah, on pourrait prendre Madeline. Ouais, Madeline, à la limite, comme ça, il y aura plus de. Il y aura plus de tourelles et il y aura de la frénésie vraiment pour tout le monde. Et Madeline, elle est quasiment au max. Ouais, on pourrait prendre Madeline. On pourrait prendre Madeline. This is an emergency. We have identified a massive force of hostiles converging on the command fortress. Your assistance is required. If we are friends, this is the time for you to step up. We have reason to believe the Yugothian entity is aware of our work and is seeking to wipe us off the map before we can properly set up our defense grid. Tobias West is here and he is ready to fight. He's not going to stand on the sidelines and let others die for his plan. But if we lose him, we lose everything. We need your help. I'm not asking, I'm begging. J'en étais sûr. I knew we could rely on you. Défendre la forteresse de commandement contre une incursion pandorienne. La ville sur la colline. Donc ça y est, ils l'ont enfin fini. Alors, ce que je vais faire, je vais aller voir ce que ça fait de faire ça, en fait. Parce que je crois qu'il y a plusieurs fins. Mais si jamais je fais cette mission-là, est-ce que ça veut dire que je pourrais pas faire ma mission à moi? Ça, je sais pas. Bon. C'est le moment où je coupe, encore une fois. Je vais sauvegarder, on coupe. Et je vais voir la mission de diplomatie, si ça a quelque chose à voir avec la fin ou pas. Donc, si c'est juste une dernière mission, à la limite, c'est pas très grave, on l'a fait. Je veux bien la faire, en fait, parce que c'est une mission d'histoire spéciale et tout ça. Je veux bien la faire. Et après, on se lance là-dedans. Donc ça serait encore en 2 épisodes pour finir le jeu. Ok, je reviens à tout de suite. Ok, donc je suis de retour, je me suis renseigné en fait, je suis allé sur le Wikipédia directement, où ils expliquent en fait ce qu'il faut faire pour faire chaque fin. Donc grosso modo, ce qui va se passer, c'est que là, au moment du jeu, alors j'ai une sauvegarde, hein, bien sûr j'ai une sauvegarde, genre avant la recherche de l'injecteur. En gros, si on recherche l'injecteur, vous pouvez plus avoir les autres fins. Ça y est, c'est fini. En tout cas, c'est ce que le Wikipédia dit. Je sais pas pourquoi ça s'est déclenché après, honnêtement. Mais ça, c'est parce qu'on l'avait déjà avant, en fait, je crois.
Il nous manque plus que Anu, en fait, et je crois que c'est quand vous avez fait ça. Je pense que vous pouvez, après, avancer dans l'histoire de Anu, et ils vont aussi construire un machin, ou je sais pas trop quoi, mais ils vont aussi vous donner, en fait, une mission. Donc, techniquement, il faut le faire, si vous voulez, en gros, pouvoir faire toutes les fins du jeu, et encore, c'est pas exactement vrai, je vais expliquer. Donc, vous faites pas la recherche du virophage, là. Comme ça, vous n'avez pas en fait la mission, le dernier recours qui s'active. Parce que une fois que vous avez fait ça, comme on a vu en fait, diplomatie c'est moins 50 à tout le monde. Et en gros, ça vous bloque les autres fins avec les différentes factions. Après, en gros, ça c'est la mission là qui sont en train de se faire, genre avec Jericho et Synédrion. Ce sont les missions avant la mission de fin. C'est la mission où on doit choisir plus ou moins avec qui on veut aller. Donc à ce moment-là, en fait, ça ne sert plus à rien de les faire, hein, celle-là, parce qu'on ne pourra plus faire le reste. En tout cas, c'est ce que le Wikipédia dit. Et du coup, vous faites ces missions, genre c'est défendre, en fait, vraiment les dernières missions hein, des factions. Donc vous les défendez. Anu, je ne sais pas exactement ce que c'est la mission, faudrait que je regarde plus précisément. Mais en gros, ils ont toujours une mission, donc vous les défendez. Et après, ils auront le plan qui est la dernière mission pour finir le jeu. Donc si vous vous mettez avec Jericho, bon, les deux autres plus ou moins crèvent. Je crois que Synédrion arrive à survivre. Si vous vous mettez avec Synédrion, il y a Anu qui crève, je crois. Jericho, je ne sais plus trop ce qu'ils deviennent. Si vous vous mettez avec Anu, Jericho crève, alors ça c'est sûr, et Synédrion est mal en point, ils essayent de cohabiter en fait avec Anu et tout ça. Et après on a notre fin à nous, donc c'est ce qu'on va faire, honnêtement, c'est ce qu'on va faire. Et après vous avez aussi la fin, quand vous laissez le temps passer, et que vous perdez en fait la partie. Je ne sais pas si c'est vraiment compté comme une fin, mais il y a aussi une fin comme ça, il y a une cinématique et tout ça. Il y a ça. Et après aussi, il y a différentes choses. Genre, si vous vous rappelez un peu, dans Synédrion, ils nous demandaient à un moment si vous voulez cohabiter en fait avec les Pandoriens ou alors les détruire. Genre, c'était ceux qui repoussaient le repousse-brume ou alors les terraformeurs et tout ça. Donc ça aussi, ça varie. Genre, les conversations varient par rapport à ça pour la fin. Et avec Anu, ou si vous vous rappelez, il y avait une sorte de deux chefs en fait dans l'histoire de Anu. Et ça dépend avec qui vous vous alignez. Et là aussi, ça va changer un peu, je crois bien. Et ce qui est sympa, c'est que avec si vous prenez Anu, vous avez elle là. Donc ça, c'est la grande chef en fait de tout Anu. Et elle vient avec vous sur le terrain et elle va en fait, en gros, pas fusionner, mais s'imprégner du Yugo-tien là et récupérer toute sa connaissance et tout ça, et genre elle est sur le terrain avec vous en fait, c'est une sorte de grande dame avec plein de tentacules et tout ça, enfin on peut le voir là, donc c'est assez marrant, j'ai vu ça en vidéo. Voilà, alors après est-ce que je veux faire toutes les fins? Honnêtement, dans un sens j'ai envie. Mais, oh la vache, ça va me rajouter beaucoup d'heures de jeu, honnêtement. Ça va me rajouter énormément d'heures de jeu. Donc, je sais pas. Pour le moment, ce qu'on va faire dans cette vidéo, parce que je voudrais quand même mettre fin au jeu, on va faire ça. Donc, on va faire, voilà. On va faire ça. Et je vais pas me compliquer plus que ça. Pour le moment, on va juste mettre fin à notre... On a dit qu'on prenait Madeline. Hein. On va juste mettre fin à notre histoire et s'arrêter là. Parce que ça me prend trop de temps, honnêtement. Alors, hop. Il me faut ça. Donc voilà, on va faire juste ça. Je vais sauvegarder. donc ouais, je vais tout simplement pour le moment. Attendez, on va faire avant. C'est quoi le avant dernier recours? Voilà, avant dernier recours.
ça, on peut supprimer. J'ai une sauvegarde, donc avant la recherche de l'injecteur, donc si jamais je veux revenir. Si jamais je veux mettre les autres fins, peut-être que je ferai des vidéos après cela. Mais là, je veux en finir, honnêtement. Je veux vraiment en finir. Qu'on voie au moins une fin. Et si jamais je me sens d'attaque, de faire le reste, je le ferai. Mais bon, voilà. Alors, pour réussir, nous devons injecter le virophage directement dans le cortex central du réceptacle. Hugo, tiens, ça marche. Donc, 8, et on prend Madeleine. Alors. Donc. On a le lance-roquette. Ah oui, on a le nouveau truc, là. Genre ça, là. Dégâts 10, acide 40. Je sais pas si ça vaut le coup, honnêtement. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Rafale 10, capacité 50. Après, honnêtement, c'est vrai que le lance-roquette, je l'utilise quasiment jamais. Ouais, on peut peut-être le tester. Ouais, on peut peut-être le tester à la limite. De toute façon, après, j'ai des armes infinies, donc c'est pas vraiment un problème. On a Garcia avec des grenades de Mjolnir, donc ça, c'est très bien. Vincenzo, t'es bon aussi. Il y a Elsa. Elsa, tu vas bouffer les points. Voilà, très bien. On a Alexander avec le fusil à pompe, fusil d'assaut, tout ça. Toi aussi, t'as toujours le laser, t'as le fusil à pompe. On a beaucoup d'armes illimitées, hein, donc... Attendez, je vais pas regarder les points qu'ils avaient. On a beaucoup d'armes illimitées. Donc, ça va pas vraiment être un problème. Et après, donc, Madeleine. Madeleine qui est déjà très très bon. Ok, ça va. C'est pas que je veux pas faire toutes les fins, mais bon, enfin, honnêtement, si vous êtes curieux, parce que moi je suis allé les voir, honnêtement, parce que je voulais un peu savoir, vous pouvez les regarder sur YouTube, elles y sont hein, depuis hein, maintenant. C'est quand même beaucoup de jeux. Hein. Beaucoup d'heures rajoutées. Donc... Ok. Faut que je me remette en QWERTY. Ouais, ça fait quand même énormément d'heures. Ah, ça c'est sûrement le truc à prendre pour l'injecteur là. Ça fait quand même énormément d'heures de rajout. Ah, c'est super grand. Ok, ça c'est le truc du coup. Alors, le réceptacle Yugotien, 75% résistance à l'acide, explosion au feu. Marque du vide. Applique une marque sur un ennemi. Celui-ci cause des dommages. Celle-ci, pardon, lui cause des dommages. Ainsi qu'à tous les ennemis localisés à 5 cases en début de chaque tour. Tentacule, œil, armure. Ça marche. Mais ouais, ça fait énormément de jeu. Ben dans un sens, je suis curieux hein, de faire tout ça, mais on fera peut-être à la limite tout ça dans un autre épisode, peut-être. Attention, on va faire un peu de frénésie. Parce que comme j'ai dit, je suis assez curieux de voir le reste aussi. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir sur ça. Alors, par contre, il nous faut de la place. Qui c'est qui peut le... Oh non. Ça sert merdant ça. Les techniciens, ils sont un peu plein quoi. Je dirais Alexander. Je dirais Alexander, il peut le prendre.
Il peut pas se faire contrôler et tout. Ça coûte, ça pèse combien? Injecteur de virophage, santé 50. Okay. On détecte rien pour le moment. Bon, on va faire avancer tout le monde. Donc ça ferait quand même pas mal de missions supplémentaires. Ça fait quoi? Ça fait une mission pour chaque faction, plus le fait que, genre, Anu, il faut quand même que j'avance, en gros, avec Anu, parce que j'ai pas débloqué la mission. Techniquement, là, j'ai débloqué Tobias, donc, enfin, Jericho, et Synédrion. Techniquement, j'ai débloqué ça. Donc, c'est pas mal. faudrait que je fasse passer du temps. Du coup, fasse encore des recherches. Après, je vais être honnête, hein, comme je joue en très rapide, hein, quand je joue à côté, ça passe, hein, ça va quand même assez vite, hein, avec les animations qui sont accélérées et tout. Encore heureux que ça existe. Hein. Vraiment encore heureux que ça existe. Mais ouais, dans un sens, ça fait beaucoup. Et après, vous rajoutez donc les missions spéciales pour chaque faction. Puis après, il y a la mission de fin. Donc en gros, c'est celle-là qui doit se répéter à chaque fois, je crois. Je suis pas certain. Mais c'est possible que ça soit celle-là tout le temps la même, juste avec des variantes. Là, nous, on a choisi... Nous, on a choisi tout simplement... Wow! Tout simplement la version... Phoenix Point. Ok. C'est l'heure d'y aller, je crois. On va faire un petit ménage avec Garcia. C'est parti. Ok, on a deux Scylla. C'est des Scylla mêlées en plus. Ah, ça, c'est un peu chiant par contre. C'est des Scylla mêlées, mais je veux bien d'abord me taper tous les petits là avec Garcia. Attends, Garcia. T'es trop loin. Bon, Garcia, bonne chance. Hein. Allez. Putain, on a les trucs dégueulasses. Il est où? Il est là. C'est quoi? Ah, ça va, il est pas très très évolué. On peut passer par là ou pas? Pas l'impression. Peut-être qu'on peut se mettre là en fait. Se cacher à la limite. Bon, on va devoir se taper toute la salle. Ça va être bien quoi. Let's go. Bon, je vois pas de Ombra, c'est déjà ça. Garcia, Garcia. Non. On va se mettre là. On va faire un coup. Voilà, très bien. Très bien. On va se mettre là. Garcia, Garcia. Très bien. Bien joué, bien joué. On va laisser les sirènes parce qu'elles ont trop de vie pour le moment.
Joli. Bien joué, Garcia. Elles ont plus beaucoup de morale. Hein. Alors, toi, je peux te tuer sûrement en deux. Excusez-moi, il faut que je charge mon casque. Ouais, ok. Je pense qu'on peut... qu'on peut tuer ça. On peut pas tuer ça. Ah mais je peux taper trois fois, ça va. Ok. Ah, c'est marrant parce que je crois qu'on peut pas tirer du coup par-dessus. Des Garcia. Bingo. Let's go. Très bien. Alors maintenant, on pourrait aller là et les finir, je pense. J'étais pas sûr qu'on ait assez de points pour les tuer. Hop. Très bien. Garcia la bête. Tout le monde est quasiment en panique. Très bien. On peut peut-être défoncer l'archéon. Honnêtement, Garcia risque plus grand-chose maintenant. Voilà, très bien. Très très bien. Eh ben, bravo Garcia. Bravo Garcia. On peut continuer encore un peu? J'ai envie de dire. Autant ne pas perdre notre avantage de massacrer tout le monde. C'est un peu dangereux parce que là, on s'expose et tout, mais... panique. Très bien. Très bien. On peut aller se... on peut aller se déplacer. Toi, t'as bougé encore? T'as bougé un peu, hein. Je peux pas faire encore un... m'avancer là. Ah, c'est assez... c'est assez osé. J'ai envie de dire c'est assez osé de faire ce que je fais. Mais ça va. C'est... comment dire? C'est calculé. C'est très calculé. Ok,
Faudrait faire le tour en fait et la découper quoi. Là, il n'y a plus que les Scylla maintenant à faire. Donc, honnêtement, ça va. On a des tourelles. Au pire, on les ramassera. Ah putain, on peut se mettre là. Tu. Ouais, au pire on ramassera les tourelles. Ok, très bien. Je vais mettre un peu n'importe où pour que ça couvre les deux. Les deux. Après, dans un sens, il y a toi qu'on peut déjà. On peut déjà utiliser. Genre là, il n'y a pas de. Pas de résistance parce que Garcia lui a défoncé l'armure, donc du coup on peut tirer sur la patte directement, ça fait très mal. Nickel. On va tester un peu ça. Boum boum. Ça c'est le nouveau ça. Oh la vache. C'est pas passé au-dessus. Voir un peu. Ah, on lui a enlevé 30 sur la carapace. Bon, c'est un peu inutile, mais c'est pas grave. Ah mais elles sont pas. Oh mais elles résistent pas au virus. Non, celle-là oui. Celle-là non, la blague. Elles résistent pas au virus. On peut la massacrer. Elle. Ok, c'est bon. Oh là, le bordel. Très bien, t'as combien? T'as 24, ça va. 24, ça veut dire qu'on peut même te faire peur, en fait. Si je dis pas de conneries. Non, attends. Ok. On pourra les taper. On va les tuer. Hein. 366, très bien comme dégâts. Peut-être la détruire avec les tourelles. Ah, c'est bon. Ok. Très bien. Ok, il nous reste celle-là. Donc, celle-là, on va. Vu qu'elle est pas immunisée. Non, si elle est immunisée au virus. Enfin, elle est immunisée, elle est résistante. Elle est résistante. Elle a que 14. Donc, ce qu'on peut faire, c'est.
aller là, lui mettre un peu de virus. Comme si on essayait de les capturer en fait. Voilà. Et on l'a fait tourner dans un... dans une peur en fait, dans une folie. Très bien. Je vais être honnête, les tourelles elles sont bonnes donc. Hop. T'as de la place. Ça fait beaucoup de points. Ah, je vais voir. Ok. Ça met du temps cette animation. Hein. Ils ont pas dû couper genre ça en fait. Voilà. Je crois que le vin de santé c'est pas du de l'injecteur en fait. C'est pas l'injecteur qui soigne. C'est le bonus qu'on a là, comme quoi tout ce qui soigne en fait soigne de 20 de plus. Voilà, comme ça elle pourra nous rattraper. Alors. Très bien. T'as déjà mis 32, honnêtement, on va juste couper. Voilà, très bien. Normalement, si elle attaque, ça sera où son cône, parce qu'elle a la gueule qui crache le cône. Hein. Oui, c'est celle qui fait des dégâts, qui étourdit. Ou alors elle tapera Garcia, et Garcia il va rien prendre en dégâts. C'est bête, on n'a pas coupé d'autres parties. C'est bête. On va t'avancer. Histoire de faire ça. Fait très mal ce rouge grenade. Je fais ultra mal. En déchiquetage et tout ça. On a une quinzaine de soins. Merde. Attends. Je crois que je l'avais joué. On a une quinzaine de soins. C'est sans compter les Steam Packs en plus. Genre... Ah quoi que non, même plus en fait. Parce que... non, c'est 3, 6, 7, 8, 9, 9 je crois. Parce que je crois que chaque technicien a deux réserves pour les bras en plus. Je crois bien. Donc en théorie, ils peuvent soigner 15... si c'est ça, c'est 15 fois chacun. Donc du coup, mais on en a 3 maintenant des techniciens. C'est à toi qu'il manque une tourelle.
C'est con que ça soit aussi cher en fait pour récupérer la tourelle. Ouais, ils ont ça en fait, des packs, et il y a 5 munitions dedans. Et ils ont tous ça en fait. Combien de... Ouais. Hop. Récupérer. Ça fait mal, hein, ce truc, hein. Ah, on a ouvert les portes, ok. Cool, cool, cool. Ok. Donc, en avant pour la deuxième partie. C'est ultra grand, quand même. On aurait dû peut-être se mettre plus... ensemble, en fait. Peut-être. Ah oui, par contre, toi, tu fais pas des trucs psychiques, du coup? Marque du vide. Applique une marque sur un ennemi qui cause des dégâts, ainsi que tous les ennemis localisés. Ok, donc si jamais il marque quelqu'un, faudra bien regarder qui c'est, et faudra pas mettre des gens à côté. Je crois. Ou alors, on les met tous à côté des prêtres. Parce que, en théorie, les prêtres nous protègent. Je sais pas. Je crois. Eh, on a une belle vue. On va pas tirer dessus maintenant. On va attendre, mais... Ok, très bien. Ça va, il nous laisse tranquille. On va faire frénésie sur tout le monde encore une fois. Ok, on va regrouper le monde avant de vraiment avancer. On pourrait tirer dessus avec le sniper, je sais pas si ça vaut le coup. Pas trop fan de commencer les hostilités de loin comme ça, parce que du coup il y aurait que les deux snipers qui peuvent faire des choses. Enfin, quoi qu'après, le Henri, sniper berserker, lui on lui donne des points à chaque fois il tire. Donc bon, on va voir. J'ai pris les tourelles par terre, j'ai pris toutes les tourelles. Tout le monde est là. On va passer. Oh, Chiron. On va peut-être lui tirer dessus de là. Ça m'étonnerait qu'il nous touche, honnêtement. Vous pensez qu'il va nous toucher de là? Nous on peut. D'attendre encore un peu. Je voudrais reposer les gens.
Mais je crois qu'on va devoir avancer parce que là il y a des. Là il y a les pandoriens là-bas. On va devoir avancer. Oh 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 oh, c'est quoi ça? Ouh, c'est quoi ces trucs dégueulasses? Ok. Ah, il y a un autre Chiron. Merde. C'était pas voulu, ça. Bon, il est pas si mal placé, donc... On va voir d'abord, on va un peu avancer. Ok, toi t'es... très bien. Henri, tu vas le finir. Henri est plus intéressant en fait parce qu'il peut tirer. Bon, il a moins de précision quand même. Ah merde. Ouais, s'il avait pas loupé son tir, ouais, non, le fait d'avoir moins de précision quand même, vous le sentez. Hein. Ce qu'il aurait, j'aurais pu le faire reposer en fait, mais au final il a récupéré ses 16 points. Ouais. Non, c'est, ouais, c'est plus facile pour la volonté avec lui. Hmm. On va y aller au corps à corps. On va lancer la. On va lancer ça juste au cas où. De toute façon, après je peux me reposer direct, donc c'est pas une perte en fait. C'est des trous à pandorien ou quoi? Je peux le tuer. Bon, après il est boosté en défense et tout ça, donc ça va, ça devrait aller. Bon, par contre, va falloir que tout le monde avance là. Va falloir que tout le monde avance. C'est combien? Attends, c'est... Les ailes d'un rayon de 10K sont immunisés contre les attaques infligeant des dégâts de panique et psychique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ouais, ça va, je peux me mettre là. C'est ça, en fait, que j'ai un peu peur. Ça fait un... Je crois qu'on n'a jamais eu de dégâts psychiques encore, je crois. Si je dis pas de conneries. Dégâts de panique, oui. Mais psychiques, non. Donc, dans un sens, c'est bien que j'ai pris 3... On s'appelle un prêtre. Comme ça, ça protège beaucoup en fait l'équipe. Une sorte de 3 dômes en fait de protection. Bah, du coup, toi tu vas rester avec eux. Est-ce qu'on met des tourelles ou pas? Genre ça là, c'est un truc qui fait apparaître des pandoriens. C'est la première fois que je le vois. Tellement de tourelles. J'aurais dû la décaler, merde. Cela, si on tire en ligne droite, avant se toucher. C'est pas grave. C'est pas grave.
Très bien. Pam pam pam. Ouh ! Marc du vide. Et ça commence. C'est marrant, t'as des... Ouh, ça c'est un laser, ça. Sniper laser, ça c'est. Oh. C'est toi qui as la marque du vide. Alors, marque du vide 1. Applique une marque sur un ennemi. Celui-ci cause des dégâts ainsi qu'à tous les ennemis localisés à 5 cases en début de chaque tour. Mais là, t'as pas fait de dégâts, si ? 5 tours, c'est loin quand même. T'as 8 points. Donc ça veut dire que je peux pas... ça c'est 5 et 10. Bon par contre tu peux faire ça. Peut tirer un peu au sniper ou pas dessus? Apparemment on peut. Hein. Ouais, on va s'avancer hein, mais on peut, hein. on peut complètement. On peut complètement. Alors, celle-là elle est pas mal. On va essayer d'avancer les gens stratégiquement. Sauf faire attention, on a un sniper en bout. Donc on va pas pouvoir rester à découvert comme ça. Alors. Ah, la mission est sympathique, j'aime bien le fait que... On n'a jamais eu de mission aussi grande en fait. Aussi un chemin aussi long. Enfin qu'après après, c'est en longueur, c'est pas en... autre chose quoi. Par contre il faut de la frénésie en fait. Attention frénésie. Faire gaffe ouais, à elle, il lui faut, Elsa il lui faut de la il lui faut de la volonté. À un moment on va devoir faire pause volonté quoi. Est-ce que tu peux venir te mettre là? Merde, tu peux pas. Putain, tu peux pas. On va se mettre là. Alors, qui a pas bougé, toi? On va s'avancer un peu. Là, on est un peu proche de... Peut-être plutôt se mettre là, parce que si c'est Garcia qui fait une onde de choc ou un truc comme ça, je préfère ne pas me mettre à côté. Là, on va monter. Là, on a un ingénieur prêtre. Donc ça devrait aller. Ouais, on est bon. Les tourelles... Non, là non. Là non. Okay. On va laisser ces deux tourelles derrière, c'est pas grave. Attends, mais c'est des Watchers athées. Oh, la vache. C'est même pas celle qui... Transperce. Quel idiot. Je viens de me rendre compte. C'est même pas les dernières. Oh! Je crois que c'était ça les dégâts.
intéressant. Très bien. Hop là. Comme si de rien n'était. Tu peux voir un peu la vie. D'accord, elle voit, elle voit rien. Elle voit rien. Alors, toi, tu peux pas faire grand chose. Je sens qu'on va devoir faire parler la poudre. Et cela, c'est-à-dire que... Badaboum, en fait. Non, putain! C'est Badaboum que je voulais. Merci. Ça, c'est bien hein, d'avoir... Encore heureux que je paye pas les... Les cartouches, hein. Bon, on va voir si je peux te détruire le... la protection. Putain! Sans déconner. Ah, j'ai merdé encore une fois. C'est bien, ça me fait plaisir. À niveau connerie, des fois hein, je me porte bien quand même. Hein. C'est bon, c'est où il est. Plein dans la tête. On sait où il est et il saigne. Très bien. Je peux directement tirer dessus ou pas ? Œil. Waouh, t'as pris cher. T'as pris cher, dis-moi. Tant mieux, ça ne me dérange pas. Alors, attendez que je réfléchisse. On a qui derrière? On a un sniper. Il y a Henri. Henri, il faut l'avancer. Henri va faire mal. Faut s'occuper de cette merde là qui est à côté. Je sais pas exactement comment. Here. Je sais pas exactement comment on va faire ça. Puis l'autre, il faudrait le détruire aussi. Expose peut-être Vincenzo. Il y a juste ça au-dessus quand même. Donc c'est potentiellement con en fait. Je sais pas.
potentiellement débile en fait. Toujours en vie, mais tu dois être quasiment mort hein, quand même. Tu peux pas me dire que. Hein. Alors attends, j'ai envie de tester un truc. Très très beau. Bon vu Garcia. Toi il faudrait que tu avances aussi. Attends, toi tu vois quoi en fait? C'est pas bien de pouvoir voir. On va voir ce qu'elle voit, je vais tenter. Je pense qu'elle a une vue potable. Très bien. Right there. Oh. Intéressant, intéressant. On va te garder de côté. Ok, go. Très bien. Ah, tu vas pouvoir taper. Non, même pas. Ok, il y a une pulsion là. 42 dégâts. What's our move? Celui devient de plus en plus puissant en plus. Est-ce que. On va faire de la frénésie encore. Ah, d'avoir plusieurs personnes qui fait de la frénésie. Hein, c'est pas nul, hein. C'est vraiment pas merdique. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a rien en fait. Ok, tout le monde avance. Tout le monde avance parce que faut pas qu'on garde les gens derrière. Il faut qu'on mette des tourelles un peu partout là. Elles sont mal. Elles pourraient être un peu mieux placées. Excusez-moi, touchez mon sac, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Oh ouais, pas mal celle-là. I'm ready. Si on peut en replacer une autre, je dis pas non.
peut être pas mal. Il faudrait une à droite aussi. Enfin, quelques-unes à droite. Bon, pour l'instant ça va, ça se passe bien. Fais voir toi. Tac. Tac. Ok, deux chacun. Merde. Attends, je les ai dédoublés ou quoi? What? Ah. What? Oh, je les ai dédoublés? J'en ai multiplié une par deux. What? Je sais pas trop comment. Je crois que c'est en mettant une par terre, en allant dans un inventaire, le bougeant. Attendez, j'ai envie de retester. Attends, tu fais ça. Je bouge un peu là. J'en prends une là. Il y en a une qui était restée par terre. Ou alors c'est moi qui les ai inversées, j'ai pas fait attention. Ça m'étonnerait quand même. Ok, c'est bizarre. C'était étrange. Ah mais ça, ça doit générer des... Non mais complètement en fait. Ça génère des pandoriens, ça. Bon bah du coup on va mettre Garcia pile devant. Garcia il fait très mal. Il a pas vraiment besoin de protection ou quoi que ce soit. Je dirais pas non au sniper de monter en fait. Ben je vais être franc. Pas Nicolas, parce que lui il gère mal en fait sa volonté, mais Henri lui gère bien sa volonté parce qu'on le met en adrénaline là, on tire trois fois et après on peut se reposer en fait, donc c'est mieux qu'il reste avec le groupe Nicolas. Alors on va se mettre là. J'ai rechargé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en tirant plein dessus? Ok, strictement rien, ça marche. Des araignées là. Oh oui. Oui, il y a quelque chose en fait. Par contre, les gens sont loin des... Merde, j'ai un peu mis les gens loin. Bon, c'est pas grave, on va se prendre des dégâts, je pense. Tu peux y arriver en deux tours? Stand your ground. Enfin, en deux points. Pas vraiment.
Pour faire la protection, là. Machin. Pourquoi je peux faire le cri de guerre? C'est bizarre. Donc faut... Ah d'accord, ok. Faut des gens sur les côtés en fait. Faut des gens sur les côtés. Je vois, je vois. Mettre des tourelles, nous. C'est un peu lent parce qu'en fait, c'est la mécanique du système. Ah, putain. Genre là. Par contre, il y a un truc juste là, en fait. Fuis, là. Ok. Très bien. Toi, je veux voir un peu les tourelles. Va te falloir avancer. Oui, il faut t'avancer, parce que sinon, ça va être la galère. Ah! Moins 900. Couvre les vulnérables entités. La tête, c'est quoi? Moins 100. Ouais, il faut que tu tires sur les yeux en fait. Ah, c'est dégueulasse ce bruit. J'ai pas vraiment envie de déplacer mes gens en fait. Ça serait marrant que ça passe à travers. Non, on peut pas. Non, t'es trop loin en fait. Ouais, non, tu peux pas. Ok. On va lui foutre le feu. Ça, j'aime pas ce truc là. Honnêtement, on va lui foutre le feu. Voilà. Ça me stresse ce machin là. Par contre, faudra peut-être soigner notre copain. Ça. On en profite, hein. Fait le plus de dégâts possible. Toi, t'as prêté une belle vue, donc... Je sais pas si on devrait bouger les snipers ou pas, honnêtement.
toujours les mettre sur des côtés en fait. Qu'on peut faire c'est notre tour. Ah ah, tiens, ça t'apprendra. Ok, je vais voir un peu comment tu fais ça. Je suis pas en fait certain de comment ça fonctionne. Ok, c'est les araignées compris. Je comprends pas vraiment là. Ouais, je vais être franc, je suis pas certain de comprendre en fait. Okay, Elsa, elle soigne bien. Elsa, tu t'occupes de ce groupe. Toi, tu t'occupes d'ici. Toi, tu t'occupes de là. Ouais, non, ça va. Ouais. Non, on va faire ça. Ah merde. Oh, Henri. Yeah, let's go Henri, c'est ton heure. Ou alors, à la grenade, ça fait un peu loin en fait, j'ai peur que ce soit pas assez précis. Je veux bien la grenade au bout portant, mais... Il y a les racines aussi. Je vise pas trop des masses parce que bon, au bout d'un moment. Hein, voilà quoi. Ah, ça, ça doit faire mal. Fais voir, on va faire anti-blindage. Comme ça, on rajoute de l'anti-blindage à ça. Enfin, du déchiquetage. Ça, ça va faire mal, par contre. Pas du tout. Quelle merde. Ça c'est pas mal ça. Moving out. Let's give it all we've got. Ah ouais. Désolé, mais c'est un peu long ce combat. C'est pas très très fun en fait. Je pensais que ça allait être un peu plus vénère. Pour être franc. Pas mal au-dessus. J'aime bien mettre des tourelles un peu genre au-dessus, en dessous et tout ça là. C'est vraiment cool. Ah
On va faire celle-là. Il faudrait une tourelle laser en haut à droite là. Ah, il y a peut-être Vincenzo qui peut en placer une. Non. Ah, quoique. Ah! Après, c'est Alexander qui devra placer le machin. Ah oui, ça fait un peu plus de dégâts là-bas. C'est un tout petit peu plus vénère. Ah, mais c'est pas genre tout le monde a reçu des dégâts, mais en fait ils sont protégés par les prêtres. D'une certaine façon. Je sais pas pourquoi en fait les araignées ont pris des dégâts. Parce qu'elles ont pas l'air d'avoir le truc du néant là. Donc je comprends pas des masses en fait. Toi, tu vas pas bouger parce que sinon... Ah putain, j'aurais dû mettre désigné pour mourir. Ah merde, j'ai été con. J'ai été con. Fou, la vache. C'est mal ça. Ah! Je savais bien que c'était dangereux ces trucs. Ok, toi t'as pris un peu cher par contre. Mais t'as pas la protection en fait? Maintenant que j'y pense. Parce que, attends, parce que s'il faut, je te l'ai pas prise. Non, immunisé contre les attaques infligées des dégâts de panique. Bah, c'est les alliés en fait qui sont immunisés à ça. Donc je sais pas. Donc pas toi en fait directement. Ouais, même la tourelle a pris des dégâts. Ah, il va bientôt crever le truc. Je crois qu'on peut le tuer. Ah, mais attendez. Oh, putain, quel con. Je vais encore faire la même erreur, quoi. Désigné pour mourir. Genre à chaque tir ça va augmenter. Je crois. Je crois que c'est comme ça que ça marche. J'aurais pu tirer sur une partie qui est pas défendue par contre. Pas comment ça marche aussi. Je vois pas pourquoi il y a toujours écrit 10. Ça veut dire quoi? Je fais à chaque fois 10 de dégâts de plus. Mais c'est chiant parce que je vois pas vraiment les informations en fait. 560, oui, je pense que c'est un peu plus élevé que la normale. Sang d'acide. Pas mal. Ah, mais ça, ça utilise que de la volonté en plus. Oh putain. C'est maintenant que je remarque que ce truc utilise que de la volonté en fait. Donc, du coup, c'est un peu une chose que. Enfin, bon, c'est beaucoup de volonté, hein, mais c'est un peu une chose que j'aurais pu utiliser. Plus de fois en fait, facilement. Puis en plus, ça marque n'importe quel ennemi sur la carte. Crever.
Par contre, faudrait que je me fasse ça, là. C'est merde. Déjà, on s'enlève là. Ouais, ça, c'est les Watchers. C'est vraiment les trucs de base, en plus. Comme ça, parfait. Tu nous feras même pas chier, c'est bien. Toi, on va te garder. Alors. J'aurais dû prendre la laser, c'est bien. Il reste 15 points de vie, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, ah merde, putain, j'ai plus de munitions. J'ai vraiment plus du tout, j'ai tout visé, vidé, putain. Chier. Allez, Elsa. Ah, ça. Putain, je peux pas bouger la caméra, désolé. Ah, ah c'est marrant ce truc, cette créature. Du coup. Ok, c'est là, ça marche. On y va! Ok, oui. Ouh! We had no choice. None of the factions had a viable plan. There was no other way to save the planet. And sometimes the ends had to justify the means. That's what we told ourselves anyway. Within minutes, the Pandora virus began to die, and its creatures soon followed. They died by the millions, and soon the rest of us were dying too. Not everyone. Not enough to wipe us out, but too many. The disciples of Anu collapsed first. The Exalted died within 24 hours of the virophage being released. And without its prophet, the religion fell apart. The future it had promised was impossible now. Sanhedrin tried to fight, to develop a vaccine. And if they'd had more time, they might have succeeded. But they'd lost too many people to maintain their communities. Slowly, they faded out of existence. New Jericho had wanted a world without the Pandora virus, but this was not how they'd imagined it. Within a few months, their havens had become ghost towns. Tobias West was one of the few to survive, having lived long enough to see his empire reduced to dust. In the end, despite our losses, we were the only ones left capable of guiding the survivors. We seized control. Humanity could no longer afford to divide itself into factions. And so the Phoenix Project began to build a new world. But although our responsibilities had widened, we did not forget our initial purpose. The war was not over. Up there in celestial darkness, something ancient and powerful still hungered for our planet. But next time, we'd be ready. Yay! On a fini. On a fini. Je me demande ce qui se passe à la fin, si on va avoir les crédits et puis c'est fini ou pas. Ouais. Victoire! Ouh la vache, alors. Alors. Refuge 80, refuge survivant, refuge détruit 20. Population 700, nombre de morts, putain, vache, beaucoup. Base Phoenix 19, non activé 0. C'est bizarre qu'on en ait 19. Très bizarre. Ok, légende, temps de jeu. Quoi? Temps de jeu 16h? Mais m'étonnerait que j'ai joué que 16h. Hein. Alors, exploration. Petite exploration rêvée. C'est... Caché 16 ? What ? Je me demande si c'est pas les colonies, en fait, non ? Genre les colonies... Vous savez, des fois, les colonies, elles apparaissent, puis après, on les détruit, puis après, c'est des points grisés, en fait. Je me demande si c'est pas ça. Ration diplomatique, donc aligné bien. Oui, mais ça, c'est la fin, en fait, qu'on a eue. Honnêtement, ils devraient mettre les... les plus grands, en fait. Les plus avancés, là. Si on a atteint le 100, mettez le 100, quoi. Alors, colonie de Pandorine survivant, citadelle.
tanière et nid. Il y avait autant de trucs quand j'ai lancé le truc. Alors, colonie Pandoran détruite. Donc, citadelle est 15, tanière 21, nid 16. Les tanières, il y en a trop, honnêtement, comparé au reste. Vous avez vu que les nids, j'en ai que 16, alors que les tanières, j'en ai une vingtaine. Pareil pour les citadelles. Les tanières, il y en a trop. Il y en a vraiment trop. C'est vraiment les plus chiantes à faire, je trouve. Vraiment les plus chiantes. Ennemi, force faction tuée. Alors, ouais, on a tué beaucoup de nouvelles Jéricho. Il y a beaucoup de nouvelles Jéricho en fait parce que il y a beaucoup de missions qui sont contre Jéricho. Ouais, il y a beaucoup de 16 10. Archéon, ouais, parce que on les a activés très tard dans la campagne. Acheron, pardon. Ok, Force Phoenix. Soldats recrutés. Ouais, 28. Les mutoïdes 28, on les a quasiment jamais utilisés. Solna au niveau 7. Ouais, du coup. Véhicule terrestre et aérien. Combat effectué. Mission de vol. Recherche de volée. Voler les missions de ressources, oui. Embuscade. Ah oui, il y a un truc comme ça. Ça m'a un peu étonné. Parce que quand j'avais fait... Je vous avais parlé que j'avais relancé le jeu, en fait, pour me remettre dedans. Et après, quand j'ai fait quelques DLC... Enfin, j'avais pas fini les DLC. J'étais arrivé au truc de Behemoth. Je l'ai jamais tué. C'est là que j'ai arrêté, que j'ai lancé, en fait, mon let's play. Et je m'étais fait avoir, en fait, avec des embuscades. Dans ce let's play... J'en ai eu zéro en tout. J'en ai eu zéro. Et que ce soit en vidéo ou alors même en jouant, en faisant les nids et tout ça, là, pour avancer plus vite un peu dans l'histoire. J'ai jamais eu d'embuscade. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ma façon de jouer qui était un peu différente? Est-ce que c'est purement RNG? Mais ouais, c'était bizarre. Infestation 14. C'était un peu étrange. Recherche et développement. Ouais, recherche et développement, on a bien géré. Production. Augmentation. Pas mal. C'est des bonnes stats. On n'a jamais perdu. Je crois qu'on a perdu personne aussi. Je crois. Honnêtement, c'est ça la différence avec XCOM. Parce que XCOM, je sais que même en... Ah ouais, d'accord, ça me quitte. Et du coup, ça m'a sauvegardé quelque chose ou pas du tout? Ça, c'est pendant la mission. Parce que j'ai sauvegardé deux fois pendant la mission. Ça, c'est des parties que je coupe. Des fois, si vous voyez des cuts, j'essaye de que ça soit propre. Hein. Mais si jamais vous voyez, c'est parce que je sauvegarde, en fait. C'est pas parce que je recommence, c'est parce que je sauvegarde à chaque fois. Juste au cas où, quoi. Mais j'ai jamais... Il y a eu des missions... Au début, il y a des missions d'histoire, genre à Jericho. J'avais parlé, je l'avais dit, j'avais recommencé deux fois. Mais je les recommence en fait du début. Ah ouais, donc on est là, ça marche. Palais Pandorien. Ah non, on a fini! Ah, attendez! Attendez, on va sauvegarder. Genre... après la fin. Ok, on a fini ça. Word has reached me that the disciples of Anu have begun training missionaries in an effort to convert more people before the liturgy of the divine flesh. While New Jericho supports religious freedom, we hold that religion is a private matter. When religion becomes a tool of the state, dogma becomes a weapon, and grasping for the minds of our people becomes an act of war. On va être nonchalant, on va dire. Les disciples ont le droit de reprendre leurs croyances. I understand the urge to look for easy answers, whether they're in politics or religion, but that is an approach we can no longer afford. Instead, we must employ reason to understand the nature of the threat we face and act accordingly.
Le temple d'Eanna, c'est ça. L'exaltère a demandé de construire d'un nouveau temple conçu pour l'aider à préparer l'arrivée du dieu défunt et pour la transformation connue sous le nom de liturgie de la chair divine. Une fois terminée, elle partagera ses secrets avec nous. Ouais. Donc si on veut faire quelque chose avec les Anus, c'est ça. Mais du coup... Les Sibianus ont entamé le projet de recherche templaire. Mais du coup... Les structures pandoriennes... Ah, je sais ce que c'est. Les structures pandoriennes, en fait, c'est celles qu'on voit pas. Parce que là, elles sont dans le périmètre des capteurs. Mais genre, par exemple, là, il pourrait en avoir une là, par exemple. Vous voyez? Donc c'est ça, en fait. Mais par contre, les lieux qu'on n'aurait pas visités, je crois qu'on a fait tous les sites d'exploration. Je sais pas trop ce qu'ils disent pour les sites d'exploration, ce qu'ils veulent dire. Enfin bref, c'est pas grave. Mais ouais, par contre, du coup, bah, on est à la fin du jeu. Je vais laisser passer du temps un peu. Voir ce qui se passe. Genre, il n'y a plus d'attaque, du coup, pandorienne. Ouais, le monde, bah, il se passe plus grand chose en fait. C'est marrant, il se passe quasiment plus rien. On peut accélérer aussi. Ah. So, some time ago, I came across a classified Phoenix Project report from 1973. It turns out, and I genuinely couldn't believe this was true at first. That in the 70s, the Phoenix Project actually sent people to the moon. Twice. But the mission to the Tsiolkovsky crater went terribly wrong. The astronauts in the lander became infected, I suppose, and committed suicide by opening the hatch. Protecting the Earth is a heavy burden. The incident almost destroyed the Phoenix Project. It ended Newton Summerall's career. And began the long decline that seems to only have ended recently. Okay. But then I realized, meteorites. That must be how the Yugothian entity is sending the Pandora virus to Earth. And the moon functions as a kind of shield. That's what they must have found. A much, much older iteration of the Pandora virus. If we could get our hands on that, the insights to be gleaned from it would be tremendous. So I planned the mission to the moon. Unmanned, mind you. I'm not crazy. And now we're ready to actually make it happen. Except for one problem. The Pandora virus creatures seem very interested in blowing up our rocket. Uh-huh. Exactly! Help us defend the launch site so we can get my robot to the moon. Wow, I can't believe I just said that. I feel like a mad scientist. Igor, launch my robot to the moon for science. Oh, wait. I think I just came up with a good name for the probe. Donc ça, c'est l'histoire, le lancement lunaire, en fait. Il a enfin fini. Ouais, il a enfin fini. Donc ouais, et ça c'est, il lance une IA, je crois. En fait, c'est pour analyser ce qu'il y a du coup sur la Lune avec... vous savez, normalement c'est une météorite là qui envoie du coup le Pandora virus et tout ça machin. Du coup, on peut faire ça. Mais ouais, on a fini en fait. Alors, différemment, t'as amené le projet recherche de Temple d'Aena. Ils sont attaqués par quoi du coup? Les Pandoriens. Les Pandoriens, ça doit être le refuge en fait qui attaque les Pandoriens. Est-ce qu'il faut créer quelque chose avec ça? Non. Donc on a fini la recherche, mais ça nous donne rien en fait. C'est juste pour faire la recherche avec Anu quoi. Ouais, techniquement on peut. Techniquement on peut encore jouer en fait. Après. Ouais. Techniquement, on peut encore jouer si vous voulez, mais du coup, on peut plus finir le jeu. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse,
c'est ça, c'est ces missions-là. Et honnêtement, j'ai pas trop envie. Parce que ces missions-là, elles vont être longues et tout ça, donc j'ai pas trop envie. Research complete. Tant que l'essai est en construction. Ah, ça y est, ils sont en train de le faire. Le temple de l'exalté. 2 jours. Ouais. Parce que en tout cas, ce qu'ils m'ont dit dans ce qu'ils disent dans le Wikipédia, c'est qu'on est bloqué. Une fois qu'on a lancé le genre le dernier plan là, on est bloqué pour faire ça. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse que en fait que ça aboutisse à quelque chose de les faire. Je pense pas. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait les trois fins sinon. Voilà. Après on choisit. Donc ouais, bah c'était Phoenix Point. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé. Je pense que... Honnêtement, je pense pas que je le referai. Comme j'ai dit, si je me motive vraiment, je fais une vidéo pour les autres fins. Mais ça m'étonnerait, parce que c'est quand même un peu loin, un peu chiant. Je voudrais passer un peu à autre chose. Quoique, je sais pas. On verra. De toute façon, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait. Donc bon, c'est pas très, très important que je le fasse. Moi. Ouais, il est là, le temple. C'est pas... temple missionnaire. Temple missionnaire double le champ d'influence du refuge et convertit la population d'autres factions situées à portée, augmentant ainsi sa population. Ah, carrément. Ah oui, tiens. Ah, c'est marrant, ça. Genre, est-ce que ça rajoute du monde ou pas? C'est bizarre. Enfin bref. Donc on a fini. Comme j'ai dit, je pense pas faire le reste parce que c'est un peu embêtant. Ça serait 3 missions. Puis après refaire la mission de fin à chaque fois. Enfin, c'est un peu relou, c'est un peu chiant. C'est sans parler des attaques constantes qu'on a, qu'on devrait faire aussi pour protéger si on veut. Donc je pense pas que je le ferai. Mais voilà. Après, est-ce que je le referai un jour? Je sais pas. Honnêtement, c'est très très long, hein. C'est comme XCOM et tout ça, c'est des jeux qui sont extrêmement longs. C'est bien des fois peut-être de les faire avec des mods. Des mods, donc si jamais je trouve un truc intéressant avec des mods, pourquoi pas. Mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. J'ai été détruit par les Pandoriens, été détruit par les Pandoriens. Ouais. Faut à chaque fois ça détruit des refuges en fait de faire ça. De les laisser mourir comme ça. Oh, on est passé à 56%, c'est chaud. Donc ouais, il faut vraiment les défendre à chaque fois. Mais ouais, c'est long quand même, c'est très long, donc le recommencer, je pense pas. Après, est-ce que je ferai des choses différemment? Je pense que oui, j'essaierai de... Genre, de faire les augmentations de robots plus rapidement, par exemple, pour avoir, par exemple, un Terminator plus rapidement. Ça permettrait d'aller un peu plus vite. Genre, j'essaierai d'avoir des prêtres plus rapidement aussi pour avoir la frénésie parce que la frénésie elle aide énormément hein, dans le jeu hein. Honnêtement sans la frénésie c'est la galère surtout au début que les personnages ont très très peu de vitesse donc la frénésie aide énormément et après qu'est-ce qu'on a d'autre les vaisseaux bah maintenant vu que je connais les comment fonctionnent les vaisseaux là tous les vaisseaux donc tout ça sert vraiment à rien de les avoir, hein. Les Tiamat, oiseaux de foudre et tout ça sert strictement à rien. Les Manticore, c'est bien, ça reste très potable. Je pense qu'encore les Helios sont le mieux parce que le moment où on a commencé à bien booster en fait nos ressources et à bien fonctionner, c'est quand j'ai commencé à faire plusieurs Helios et on pouvait défendre en fait plusieurs endroits à la fois. Avant d'avoir autant de monde, hein, je parle, hein, avant d'avoir toute cette équipe là surentraînée, mais le coup d'avoir des Helios qui vont très vite et qui se déplacent très vite partout, honnêtement, c'était tip top. C'était vraiment tip top. Ça permettait de bloquer plein d'attaques très rapidement, être là au bon endroit au bon moment. Enfin voilà quoi, c'était vraiment utile. Après, pour les équipements et tout, je pense que ce qui est un bien dans le jeu en fait, c'est que. Et vous n'avez pas vraiment besoin des armes très très avancées ou d'armures très très avancées pour être bon. Même les recherches et tout, vous pouvez à la limite tuer des gens de Jéricho par exemple pour récupérer des gosses, tuer du Synédrion pour récupérer des lasers. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça aussi, vous n'avez pas vraiment besoin des recherches, il suffit juste de récupérer les armes sur les gens. Après, vous faites les recherches plus tard pour les chargeurs si on en avait besoin. Mais il y a plein de choses comme ça en fait, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce jeu.
Et on a perdu personne. On a perdu personne. Mémorial, il est vide. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment sympa. Et je pense que c'est la différence entre le RNG d'un XCOM et là, le fait qu'il n'y ait pas de RNG, en fait, tout simplement. Ça aide énormément. Une fois que vous avez bien compris la mécanique et tout ça, il y a juste des erreurs de vous, en fait. Si vous perdez, si vous avez une... Si quelqu'un meurt, c'est de votre faute, en gros. C'est pas le RNG qui veut ça. C'est vraiment parce que vous êtes mal placé et tout. Et ça, je préfère. Après, il y a un tout petit peu de RNG, mais c'est tellement léger, genre dans les tirs, dans les... et tout ça. C'est pas pénalisant, quoi. C'est pas rageant ou quoi que ce soit. Donc, je préfère, honnêtement, Phoenix Point pour ça que XCOM. XCOM est très, très rageant par rapport au RNG. Il est extrêmement frustrant. Donc, ouais. Donc voilà, c'était mon let's play de Phoenix Point que j'ai fini en entier. Je suis très content. Comme j'ai dit, peut-être je me motiverai pour le reste, mais ça m'étonnerait. J'arrête pas de le dire parce que dans un sens, j'ai vachement envie de le faire, mais dans un sens, j'ai envie juste de me la couler un peu douce et d'arrêter. Parce qu'en plus, j'ai plein de rendus à faire d'épisodes, là j'en ai au moins 40 à faire parce que j'ai pas fait tous les rendus, donc ça va me prendre la tête. Donc je pense que je vais passer à autre chose après. Puis en ce moment j'y ai Wartels, je voudrais bien me relancer dans Wartels, et il y a Darkest Dungeon 2 aussi qui va sortir, donc peut-être que je me lancerai dans Darkest Dungeon. Mais voilà, c'était une super aventure Phoenix Point, je le conseille. Prenez le Game Pass à la limite si vous voulez. Ou alors qu'il soit vraiment pas cher sur Steam, comme ça vous avez tous les DLC. Et sinon, prenez avec les DLC, évidemment. Les DLC, honnêtement, sont même pas handicapants, ça qui est vachement bien. Et ça, bonne idée à l'équipe, là, ils ont vraiment très très bien fait. C'est que les DLC, en fait, faut les activer avec les missions, avec leurs premières missions. Certains, ils sont timés. Je pense que c'est fait exprès, parce qu'après, ça devient en fait trop... facile de détruire les DLC, genre dans un sens. Vous savez, par exemple, le Behemoth, si le Behemoth il vient à la fin du jeu, ça sert strictement à rien, vous voyez ce que je veux dire. Le Behemoth, c'est censé être une menace en fait tout le long, donc c'est pour ça que vous avez genre 10 jours pour faire la première mission, et si vous la faites pas, bah du coup je pense que le Behemoth ne vient pas, mais vous avez pas non plus tout ce qui va avec, donc par exemple les manticores masqués et tout ça. Donc vous avez pas ce gameplay en plus. Les purs, c'est pareil. Si vous activez pas les purs, si vous faites pas la première mission, je pense que du coup, bah, vous pourrez pas créer des cyborgs. Mais du coup, vous aurez pas à combattre les purs non plus. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Donc ils sont très très bien faits, les DLC. Extrêmement bien faits. Le plus difficile, je pense, ça reste la corruption dans la brume. La corruption dans la brume, c'est très très problématique. Le mutagène, c'est très problématique d'en avoir au début du jeu, donc du coup des mutoïdes, c'est pas vraiment ça, vous pouvez pas vraiment faire des mutoïdes. Et les monstres qui sont rajoutés sont extrêmement dangereux, extrêmement puissants, parce qu'encore une fois on a eu de la chance, hein, on a eu que des trucs qui n'étaient pas très très augmentés. On en a vu certains qui pouvaient genre réanimer tout ça, mais après c'était genre la mission où on devait partir et tout, donc on les a pas vraiment combattus. Mais le truc, c'est que, bon, ils ont pas trop de vie, donc on peut les tuer facilement. Mais voilà, ils sont très dangereux. Et si vous activez ce type de monstre, en fait, en début de partie, en légende, je conseille vraiment pas. Hein, je conseille vraiment pas du tout de le faire, parce que là, ça va être une catastrophe. Donc ouais. Enfin, voilà, c'était Phoenix Point. J'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé. Donc, ouais, comme je disais, prenez-le pas cher avec tous les DLC sur Steam, ou alors vous prenez le Game Pass. Moi je l'ai pris sur le Game Pass et j'ai juste acheté le Season Pass, c'était pas cher, c'était moins de 20€ je crois, et du coup ça m'a pris tous les DLC direct, et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, merci beaucoup, hein, si vous avez regardé jusqu'à la fin. C'était une super aventure, à la prochaine, ciao ciao.